pour vous, le monde, c'est ceci? Ou bien cela? Savez-vous en moyenne à quoi un être humain utilise-t-il son temps? Il passe environ 7 à 8 heures à dormir, environ le même temps à travailler, 1 heure de voiture, 2 heures pour les occupations diverses, nettoyage de la maison, faire les courses, préparer à manger, aller chez le médecin, se laver, etc. Les Français passent de 2 à 3 heures devant la télé chaque jour, source directe de Médiamétrie sur l'étude basée en 2012. Environ 2 heures pour les autres divertissements, faire du sport, ordinateur, cinéma, restaurant, etc. Et en moyenne, 1 heure à 1h30 à manger. Oui, les gens mangent de plus en plus rapidement. Savez-vous combien de temps reste-t-il alors pour se tourner vers la religion, pour prier, etc.? Eh bien rien du tout. Il ne vous reste plus du tout de temps. Pourquoi? Parce que des banalités inutiles ont capturé votre esprit et vous poussent à passer votre temps à faire des choses qui ne servent à rien. Rendez-vous compte que vous passez parfois des heures devant la télévision. Vous n'avez pas de film intéressant à regarder, vous zappez les chaînes comme ça, juste par pur hasard. Ou bien que vous traîniez pendant des heures sur Facebook, YouTube, Twitter, etc. Rendez-vous vraiment compte que cela ne sert vraiment à rien? Et vous recommencez tous les jours. Vous avez complètement délaissé l'au-delà pour ces occupations futiles, qui en plus ne procurent en réalité aucune vraie satisfaction. Ne vous rendez-vous pas compte que cela n'apporte rien? Ne vous dites-vous pas le soir en allant vous coucher que vous avez perdu votre temps? Que vous n'avez rien fait vraiment de votre journée? Non, vous allez recommencer le lendemain et le surlendemain, etc. Allah nous a bien dit, mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Alors que certains musulmans pieux, eux, prennent chaque jour 1 heure ou plus pour faire leur prière, lire un peu de Coran, remercier Allah, chercher à aider des gens, rendre visite à leurs proches, leur offrir un cadeau de temps en temps, chercher à aider un pauvre, apprendre l'islam à ceux qui ne savent pas. Car quand vous apprenez l'islam à quelqu'un, en allant vous coucher, vous vous dites que peut-être bientôt, grâce à vous et à Allah, il y aura un musulman de plus sur Terre. Mais quand vous allez vous coucher après 2 heures de jeux vidéo sur l'ordinateur, l'iPhone, etc., vous vous sentez plus fort, plus instruit? C'est cela l'exemple de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? Ne nous a-t-il pas prévenu de cette période pleine de tentations? Ne nous a-t-il pas prévenu que cela allait arriver? Que pratiquer votre religion deviendrait aussi difficile que de tenir une braise dans sa main? Que ce qui lui faisait le plus peur pour sa communauté serait les femmes? Toutes ces femmes qui sortent en petite tenue et qui nous tentent. Car nous savons très bien que pour une femme, un homme est prêt à tout, et même à abandonner sa religion. Alors, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a-t-il pas tout dit pour que nous soyons sur nos gardes et qu'il n'y ait pas de surprise? Et vous, vous doutez parfois de Dieu à cause de tous ces blablas qui nous sont constamment racontés à la télé? Ne nous a-t-il pas dit que viendrait une époque où de grands mensonges seraient racontés? Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Vous entendez les rappels, mais vous n'en tirez pas les leçons. Arrêtez de passer autant de temps à vous divertir. Car vous pensez que cela vous divertit, mais en réalité cela vous rend tels des esclaves. Cela est une prison pour votre cerveau. Pourquoi? Parce que vous avez constamment l'esprit occupé. Savez-vous quand est-ce qu'un humain réfléchit vraiment? Eh bien, c'est quand il n'a rien à faire. Quand vous écoutez de la musique, votre cerveau est concentré sur ce qu'il entend. Quand vous jouez à un jeu vidéo ou regardez un film, votre cerveau est concentré sur ce qu'il voit. Et donc, il ne réfléchit pas vraiment sur les buts de la vie. Donc, plus la technologie avance et plus vous vous faites endoctriner. Vous êtes de plus en plus occupé avec quelque chose. Il est aujourd'hui presque impossible de ne rien faire. Vous attendez chez le médecin, vous sortez le téléphone et jouez à un jeu. Vous rentrez chez vous, vous allumez la télé, vous allez sur Facebook. Donc finalement, quand réfléchissez-vous vraiment? Votre cerveau est toujours occupé à des futilités. Tous ces soi-disant divertissements sont en réalité un moyen de vous occuper et de vous garder sous contrôle. Et puis toutes ces heures où vous allez vouloir ressembler à tel ou tel acteur ou people que vous voyez dans les magazines. Et vous pensez être libre, mais vous êtes tel qu'il voudrait que vous soyez. Vous essayez constamment de ressembler à quelqu'un, vous n'êtes pas vous-même. Et vous allez acheter des quantités et des quantités de vêtements, produits, etc. Mais eux, vous n'y pensez pas? Mais non, vous perdez votre temps à cela.
votre liberté se résume à ça. Devenir un produit tout à fait banal de la société, 100% retouché. Ouvrez un peu les yeux. Vous habillant de la sorte, vous n'êtes rien de plus que des esclaves qui font partie de cette chaîne d'humains qui a toujours la même vie. N'avez-vous pas l'impression d'avoir toujours le même train-train quotidien ? Je me lève, je travaille, mange, regarde la télé et je dors. Et le lendemain, je recommence. Tout ça pour me payer 15 jours de vacances l'été et puis c'est reparti chaque année. Ne ressentez-vous pas que votre vie se résume toujours à ça sans réel but ? Parce que vous oubliez Dieu à cause de toutes vos occupations. Parce que vous oubliez Dieu à cause de toutes vos occupations. Parce que vous oubliez Dieu à cause de toutes vos occupations. Vous oubliez Dieu à cause de toutes vos occupations. Et après, vous vous demandez pourquoi c'est si difficile de faire ne serait-ce qu'une petite prière ? Mais votre vie est tellement un concentré de bêtises et d'occupations que dès que vous voulez faire quelque chose d'important comme la prière, votre cerveau décroche et cela lui semble impossible car il n'est pas habitué à cela. Vous êtes plus ou moins comme des robots programmés à faire toujours pareil. Changez vos habitudes, ou sinon vous piétinerez toute votre vie sans jamais avancer. Mes frères et sœurs, pour votre liberté et votre droit de penser, réveillez-vous. Prenons un autre exemple qui est très répandu dans notre civilisation aujourd'hui. Le voile. Beaucoup de gens pensent qu'en portant le voile, vous ne faites pas ce que vous voulez, alors vous êtes soumise. Alors que ceci est totalement faux. Mais déjà, faudrait-il comprendre vraiment à quoi sert le voile ? Aujourd'hui, la plupart des filles disent que les garçons ne sont pas sérieux, qu'ils couchent avec tout le monde, etc. Des fois, des garçons vous sifflent dans la rue et vous dites « Oh là là, regardez ces mecs qui ne pensent qu'au sexe ». Mais regardez-vous, vous vous habillez avec des décolletés énormes, des mini-jupes vraiment courtes, et après vous vous demandez pourquoi les hommes vous regardent ? Toutes ces filles qui ont des maris qui continuent à s'habiller de manière très sexy dans la rue. Où est le respect pour leurs maris ? Elles savent très bien qu'en s'habillant de la sorte, les garçons vont les regarder, mais elles le font quand même. Des filles disent parfois à leur mari « Je sors ce soir entre filles, on va boire un verre, etc. » Et c'est dans ce genre de moment qu'elles se maquillent et se font toutes belles. Mais vous savez très bien qu'avec un tel comportement, des garçons viendront vous draguer. Elles se font généralement plus belles quand leur mari n'est pas là que lorsqu'il est là. Mais dites-moi, si votre mari est l'homme de votre vie, ce n'est pas normalement que pour lui que vous devriez vous faire belle ? Car si vous vous faites belle quand il n'est pas là, alors c'est bien que c'est pour quelqu'un d'autre finalement. Car vous savez très bien que si vous étiez seul sur une île déserte et que personne ne pouvait vous voir, vous vous ficheriez de votre allure. Vous cherchez à plaire aux autres indirectement. Et après, vous vous demandez pourquoi il y a autant de divorces aujourd'hui ? Mais il est tellement facile de rencontrer des personnes du sexe opposé, internet, téléphone, Facebook, Twitter, sites de rencontres, etc. Mes sœurs, en islam, il est tout à fait permis de se faire belle. Mais on se fait belle pour son mari. Vous avez le droit d'acheter des vêtements près du corps, des sous-vêtements qui vous mettent en valeur. Mais vous devez les porter que lorsque votre mari vous voit, et pas quand d'autres hommes peuvent vous voir. Et après vous vous dites que les hommes veulent aller voir ailleurs. Mais vous ne cessez d'être des tentations à vous habiller de la sorte. Vous êtes vous-même la cause du problème. C'est pour cela que Dieu a dit « Soyez couvertes, portez le voile pour ne pas tenter les hommes comme cela ». Si toutes les femmes portaient le voile et étaient pudiques, les hommes ne seraient pas tentés et il y aurait beaucoup moins de divorces. Donc en portant le voile, les autres hommes ne seront pas attirés vers vous. Gardez votre beauté pour votre mari et non pour les autres. Car un homme dans la rue ne va pas aller regarder une femme voilée. Sans parler des cas de viol, il n'existe presque aucun cas de viol sur une femme voilée qui sait se couvrir. À votre avis, un violeur va choisir qui ? Une femme en mini-short avec un petit débardeur décolleté ? Ou une femme qui porte des vêtements amples et un voile ? En plus d'un respect pour vous-même, c'est aussi une sécurité. De plus, on sait très bien qu'un des critères importants qui rend la femme belle est ses cheveux. Prenez une très belle fille, si vous la tondez complètement, elle sera beaucoup moins belle. Habillez de la manière dont vous le faites parfois et vous allez vous faire regarder par tous les passants. N'avez-vous pas l'impression parfois d'être un simple morceau de viande ? Où est passé votre pudeur, votre respect de vous-même ? Comme il est dit, oui faites-vous belle, maquillez-vous, achetez-vous des vêtements sexy, mais pour votre homme, pas pour je ne sais quel inconnu qui ne souhaite que profiter de votre corps et vous jeter après comme un vulgaire objet. Vous êtes une femme et votre corps est sacré. Préservez-le pour votre mari et ne l'offrez pas à n'importe qui. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a pourtant également prévenu que viendrait une époque où les femmes seront habillées, mais cependant elles seront nues. Inutile de faire un dessin, nous le voyons tous les jours autour de nous. Chères femmes non musulmanes, ne critiquez pas les croyantes qui se voilent, car elles au moins ont le mérite de ne pas attirer sur elles le regard de vos maris. Au moins ont le mérite de ne pas attirer sur elles le regard de vos maris. Au moins ont le mérite de ne pas attirer sur elles le regard de vos maris. Allahu 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 All
Certaines femmes aimeraient porter le voile et n'osent pas à cause du regard des autres. Donc en réalité, où est la liberté ? Et en suivant les critères de beauté que la télé et les magazines vous imposent, vous vous soumettez finalement à ce qu'ils vous montrent. Ils sortent une mode et vous suivez sans vous dire que vous n'êtes rien de plus que des marionnettes. Votre liberté à vous, c'est cela ? Voilà le comportement d'un musulman et d'une musulmane. Je passe mon temps libre à prier, à remercier Dieu, à faire le bien autour de moi. Je passe du temps avec mon époux ou mon épouse, je me fais belle pour lui. Et en agissant de la sorte, vous allez savoir ce qu'est le vrai amour. Pas celui construit et inventé par les médias. Car en agissant ainsi, tout est finalement basé sur du superficiel et cela finit toujours en divorce. Allah nous a créés libres, puis avec le temps, vous avez oublié ce qu'est la vraie liberté. Ne cherchez pas à plaire à d'autres humains, à ressembler à tel ou tel exemple, car nous sommes tous égaux, nous finirons tous dans une tombe pour ensuite comparaître devant Allah. Alors préparez votre vie future et retrouvez votre vraie liberté. Et retrouvez votre vraie liberté. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري